Salut tout le monde, alors aujourd'hui on continue avec Willow sur Rail of Giant. Donc on était rendu à l'été il me semble. Dans un premier temps je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère que vous pourrez don't starver toute l'année, c'est-à-dire 24-7 hein, bien sûr, il n'y a pas d'excuse. Hein. Voilà, faut faire du don't starve tout le temps. Faut que ce soit une drogue, voilà. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien d'autre à faire. Alors je plaisante bien sûr, mais voilà, j'espère que vous arrivez à survivre tout au long de ce périple comme moi. Et voilà, et surtout vous amuser quoi. C'est voilà. Non, en vrai, je vous souhaite que des bonnes choses et puis une bonne santé aussi, bien sûr. Mais aussi du non-starve. Hein. C'est voilà, c'est primordial. Allez, on va continuer. On était rendu au jour 58, hein. Ça passe vite. Donc là, vu que c'est l'été, on va dire il n'y a pas vraiment de priorité, parce qu'en fin de compte, faut un petit peu faire passer le temps, parce que vous imaginez bien que tout peut brûler. On peut pas couper du bois parce que sinon tout va prendre feu, donc voilà, ça peut être très compliqué quoi. Le seul truc qui va être intéressant, c'est de tuer la Dragonfly, mais elle arrive à la fin de l'été, donc on a le temps. Hello Ferry, how are you? Not even on New Year's, you playing with friend. You are my first disappointment of this 2021. Wow, Tonio. Ah, thank you very much. I love you too, Ferry. But I don't will play Wigfried in this year, just for you. I think you will wait long, long time for I will to play Wigfried, just for you. And I hope you are fine, Ferry. Donc, comme je disais, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va par exemple, on pourrait très bien faire des machines de magie. On va essayer de s'occuper, hein, on aura de quoi faire. Je vais avoir du bois. Ouais, je pourrais faire ça, mais... Est-ce qu'il me reste des... D'ailleurs, tiens, il me reste plus de toile. Ah bah tiens, on va aller faire le plein de toile d'ailleurs. On pourrait faire ça. Ah mais je suis con, j'en ai un top hat. Ouais, limite. Ouais, mais il me faut quand même des toiles. Il me faut quand même des toiles. Tiens, faudrait que j'aille... Ah non, sinon on mange ce qu'il faut. Happy New Year's to Ferry. I'm fine, thank you. As you can see, in the New Year's, I play already Don't Starve, you see. It's a drugs, you know. It's a fucking drugs. Remarque, est-ce que j'irai pas voir les caves? Non, on va essayer de récupérer. On va essayer de récupérer un petit peu de... Pardon. Ça donne quoi les buffalo là? Alors attendez, faut que je fasse la vérif de bouffe parce que je sais plus où j'en suis. Non, si, je suis bien là. Je suis bien. Ça, on va laisser ça là. Yeah, that's right, Ferry. And I see, sometimes you play Don't Starve Together without me. I am disappointed too, Ferry. That's not good. I am sad. No, it's a joke, my friend. Ok, donc il y a les deux bifalos ici. Bon, il y a quelques grenouilles suite à la pluie de grenouilles, mais bon. Il est méchant, il y a encore deux bifalos ici. Il y en avait plus en bas, je crois. Ok, donc oui, ils ont tous retrouvé leur poil. Bon, je les tonds un petit peu plus tard. On marque la zone la plus proche pour tuer des araignées. Bah, c'est dans les marais, j'ai envie de dire. Donc on va faire ça. J'ai peut-être eu un Tallbird avant. Ce serait peut-être mieux. Ouais, il faudrait... Parce que là, du coup, j'ai pas de viande dans mon frigo. Donc on va tuer le Tallbird vite fait. Alors je sais plus exactement quand est-ce qu'il arrive, le... Comment dire, le... Merde.
La Dragonfly. De toute façon, on se mettra ici, hein, bien sûr. D'ailleurs, faut que je vire. Attendez. Faut que je dégage ces putains de grenouilles là, parce qu'ils vont me faire chier. J'avais pas une autre armure. I played occasionally, me and friend. I'm playing a bit of DST and I beat a raft. Just. Ah, ok. That's sad too, Ferry. You need to play much DST. That's not normal. It's a joke. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, les grenouilles. J'ai qu'une armure. Ah non, j'en ai deux. C'est bon. Ah oui, non, bah. J'ai un peu foutu celle-là. Ah, c'est la pleine lune. Ouais. Tac. Oui, j'ai mon... On va mettre le sac ici. Hop. Yes, thank you. But it's okay, I have two more armor. So it's okay. Je vais juste dégager un petit peu les grenouilles là. J'ai pas envie qu'elles me fassent chier quand je vais affronter la Gunfly. Tout du moins dans ce secteur là. Ça me fait de la bouffe. Ok. Ouais, il y en a encore quelques-unes ici, peut-être. Pleine lune. Bon, ça va. Pas mal, hein? Je ramène les cuisses quand même. So many fans chassés. Yeah. I understand why you happy for me. And do you excited to Antonio play Wes soon? Because that will be funny to watch me playing Wes. I will die a lot. So I think Barney, you and Kate will be here for just I will die with Wes, because of course I will play Wes in the future. Very not the Wilfried, because it's too easy with Wilfried. No, it's a joke. I will play Wilfried, but I don't know when exactly. Okay, bah tiens, hop. Thank you.
est-ce qu'il y avait un Tollburn? Ah, là-bas. Je vais peut-être me rafraîchir un peu, remarque. I will play it on the 29 February. Why this date? Why 29 February? Exactly. I mean one. Why in this moment? Very. That's interesting. Ouais, c'est vrai que je pourrais très bien aller dans les caves chercher les ruines. Oula, faut que je passe par là. Parce qu'il y a mes cochons, mes maisons de cochons, et je ne veux pas qu'ils brûlent. Donc on a 13 jours à tenir. Because it does... Ah! Yes. The joke from Italia. It's the best. So, do you have try Hamlet? Do you have try Hamlet, Ferry? Please, tell me yes. I think you will love Wilba, because Wilba it's like a werpig. Ah merde, j'ai essayé pas de cochon là-bas. Faut pas que je passe au niveau de mes maisons de cochon, putain. Bon, ça va, on n'est pas trop mal. Merde, les meatballs sont mortes. Ouais. Je vais y filer. Bon, non, je vais les laisser pourrir, ce sera mieux. Voilà. On va pouvoir tuer quelques araignées. Le reste, je vais laisser ça là. Voilà. Ça, on y va comme ça. Parfait. I have tried, but there is too much I need to know. And I have played too much of DST to die too soon because I don't know the season. It's free. Frustrate, sorry. But you don't remember I have put my playlist of the Hamlet on YouTube, Ferry? Mm-hmm. I have already make Hamlet completely with Wilson WX and with Willow. So you can maybe if you watch my video, but yeah, it's not all time English. Maybe that can help you. I don't know. No? Yes? No? Yes? Tell me. Tell me, Ferry. I mean, Hamlet is really, really hard. Yeah. That's a sure. Ah, c'est un nid level 1 celui-là? D'accord. Ah oui, c'est celui que j'avais posé, ce nid-là. I know I should load for the best of... No, Thierry, I'm not the best. But thank you, that's very cool. J'ai gardé mes deux casques, mais ça me sert à rien.
I think I engine Hamlet. Why better if it's. Ah, I think it will never will be a multiplayer, Ferry. What do you mean you are not the best? I have learned all I know from. Oh no! because I don't know so much about DST. I mean, the new update, the new refresh of the refrain. I don't know nothing about this. You know? But yeah, I know something, lot of. I know a lot of things of DST, but that's much on the server, I mean. You know, the technical of the Doomstar. Not so much of the game, for me. But yeah, we can say I am very very good for make the server and other things, but for the game, I think I am not very very good. I am good, it's okay, but not the best. But thank you, Ferry. Ah yes, yes, but I mean I know much on the DS of the, not so much on the DST. That's what I mean. But yeah, and finish. Oh la vache, il y a de la bouffe là. On l'avait pas vu. Ok, hop, tiens on va prendre ça. Des champignons. On va pas se gêner. Ah merde, il fait nuit donc forcément. Don't know you love. Don't you love when you talking on a train with. Yeah. Because it's Spider. No. Please. Don't say that, Ferry. No. Ah no, it's Steel Egg. Ah! Okay. The tentacle won't catch me, but he can't. Salut Léo, comment vas-tu? Et bonne année à toi. Cena was the only one on the server who was able to destroy the queen without taking that much damage. I usually bring around bigger to kill them. Ah, you use bigger for that? Okay. I use bigger for the forest or for the reed trap, but I think it's better to use him for destroy the forest. I mean, lot of wood. I think that's great. The map is really not big on the DS, you know. Ça va, merci, bonne année. Merci Léo, ça fait plaisir. J'ai pensé à toi, j'ai fait une partie de deux. DS. Ah cool, alors dis-moi tout. Dis-moi tout, comment se passe cette survie Léo? Comment ça se passe? Est-ce que tout se passe bien? Bon là je suis pas très bien au niveau santé mentale, ça va baisser encore et encore. Mais au prochain crépuscule on essaiera de récupérer des comment? Des champignons. Tiens, je vais récupérer là.
Je peux pas drop grand chose là. Celui-là c'est un e-level 3. Je crois que... voilà. Là il y a du monde. Ah la merde, casse-toi. Il vient me déranger pendant... Voilà. J'ai perdu. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Le monstre de l'hiver a explosé ma base deux fois de suite car j'ai fait deux parties en réalité. D'accord. Est-ce que t'as pas réussi quand il... Tu l'as pas entendu gueuler ou c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en détail? Est-ce que t'as pas réussi à l'éloigner ou est-ce que la survie était plus compliquée que prévu? The change a bit bigger mechanics, not sure if it's only for the ST, but now he take down tree and give you wood only when he smash the ground. Before, it was also when he walked in the tree. Ah, I don't know, Ferry. I think it's still the same, but I am not sure. I mean the same mechanic, but I am really not sure. But now the bigger it's like DS. I know now he can run so fast. So that's good for destroy wood, no? Comment empêcher qu'il vienne dans ma base? Bah en fin de compte, normalement il gueule avant d'arriver. Tu l'entends. Tu l'entends et comme ça peut te permettre d'aller là où tu veux. Donc en général, pareil, tu l'emmènes dans une forêt, tu le fais détruire quelques armes, même si c'est pas facile, parce que forcément, il a pas des attaques, il a pas des attaques de zone comme les Birgers, quoi. Mais pour faire pop des triggers, deux ou trois. Bon, sinon, après, tu peux l'emmener dans les marais et se faire buter par quelques tentacules, mais il t'en fendra pas mal. Il y a forcément dans ma base et pas de piège dans le marais. Ouais, si t'as pas le heat trap comme ça, bon, ça, moi, je le force bien en mode, mais sinon, utilise la forêt, hein, plutôt. Hein. Essaye, si t'as une lanterne, essaye de le faire détruire pas mal d'arbres et 2-3 triggards vont le buter sans problème, hein, t'inquiète. Ah, ça fait plaisir, Léo, merci. Merci. Bah, j'espère que, voilà, tant mieux si ça te motive à continuer à jouer et j'espère que t'arriveras à continuer. Hein. Alors après, y en a qui vont te dire, tu peux très bien le taper comme ça, mais. Si tu démarres, moi je préfère que... Enfin, vaut mieux le faire différemment en fait. Mais tu pourrais en fait te coller à lui, mettre un feu, un petit feu de camp, et puis le défoncer comme ça. Mais bon, c'est pas très conseillé pour ceux qui démarrent, quoi. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à utiliser la forêt. Voilà. Nope, on DST, it's a take down the tree when you run. But they don't give wood. Are you sure, Ferry? That's okay, I didn't know that. Avec Wilson, c'est chaud. Ah, avec Wilson, c'est pas le pire. Hein. Là, tu vois, je suis avec Willow. Elle brûle tout si elle a la santé mentale basse. Willow, c'est. On part du principe que Willow, c'est un peu le personnage par défaut. En plus, il a un avantage, avec sa barbe, il peut faire des mythes effigies. Bon, ça, c'est plus sur des trucs avancés, mais. Ah. Alors, attendez, vous voyez, j'ai chaud. Hop, je vais utiliser mon Luxury Fan. Voilà, je suis passé à 16 degrés. Voilà. Comme je vous disais, c'est très efficace. Attendez, je vais essayer de récupérer ça. Ah non. Ah, ok. Ils sont réveillés pour autre chose. Wow, tout ce qu'il y a. Oh, c'était la guerre ici. C'était la guerre. Disons qu'avec Wilson, c'est pas le plus compliqué à gérer, c'est ça que je veux dire. Hein. Je veux pas non plus remettre en question tout ça, hein. Mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, on va dire. J'ai suivi ta survie sur YouTube, du coup je vais devoir y aller. Je me Ah, mais bien sûr, Léo, je comprends tout à fait. Y a pas de souci, Léo. Pas de problème. Je te souhaite une très bonne soirée et je te remercie d'être venu en tout cas. Merci beaucoup. Et bah amuse-toi bien, si tu refais une partie, tu me tiens au courant, ça m'intéresse. Merci à toi. I am sure because I use that technique learned from you. You to get a lot of food and now I need to have
Shame is fist on the ground. Ah, ok, Ferry. Merci à toi, Léo, merci vraiment. Et tu sais, un petit passage comme ça, même c'est furtif, ça fait toujours plaisir, hein, t'inquiète. Et je comprends que tu veux pas te faire spoil, il y a aucun souci, t'inquiète. C'est tout à fait compréhensible. Par contre, j'ai pas pris de bouffe avec moi, ça, c'est moyen. Ouais, j'ai 37 toiles, ouais, bah, ça devrait suffire. Ce que je voudrais récupérer quand même, c'est peut-être des champis verts parce que. Marc, je suis con, j'en ai. J'en ai, comment dire. Ouais, remarque, j'en ai sur moi, ça devrait le faire. Est-ce qu'il y a d'autres araignées là? Non? On va rentrer au camp vite fait. Je vais essayer de récupérer après l'autre bouffe. Les poissons et tout ça. Le crépuscule, j'avais pas fait gaffe, il est très très court le crépuscule. Ah, il y a une grenouille qui crame. C'est bon ça. Donc quand vous jouez Willow, n'hésitez pas à faire un feu de camp éloigné, bah justement de votre camp, parce que voilà, vu qu'elle a souvent la santé mentale qui est basse, faut pas hésiter. J'aurais pu faire un feu endothermique là. Je vais juste me faire à bouffer, je pense. Bon, après, je pense qu'il me reste des champis verts dans le frigo, je vais les prendre au pire. Ah merde, ils sont quasiment pourris. Attends, si je fais ça, ouais, c'est bon. Bah, limite, je vais l'utiliser pour bouffer. Donc voilà, on a 37 toiles, ce qui est plutôt pas mal. On est bien, bien, bien. Remarque, je pourrais faire des œufs au bacon d'ailleurs. Ce serait peut-être mieux. Pour l'instant, on va laisser ça là. Ah, c'est bien, ça me fait plein de. Bah les casques, j'ai envie de dire, je peux les drop. Yes, yes, Ferry, that's right. I think it's better to make, the bacon and eggs, no? Ah, remarque, c'est pas mal, ça rend. Oui, c'est vrai que ça rend bien quand même. J'avoue. Oh, you watch, you write, right, sorry. Ferry. Thank you for tell me again. One big meat. Ah, yeah, the mushroom, yeah, right. No. I think. Ah, no. If I put this. Non. Ah, it's an M&M. Ok. Un beam meat. Once. Ah, no, that's a give onion nuggets, Ferry. If you put one big meat, one small meat, onion. Ah, monster meat. Ah, ok. Ah, ok. Yeah. Thank you.
Ils sont un peu sur la réserve là, les cocos. Donc voilà, la laine de Buffalo, comme vous pouvez le voir, très pratique pour recharger vos machines. Où est-ce que j'en ai d'autres? Je regarde. Ah yeah, pff, I am stupid. It's not good fire. Wow. I am so in the game. So concentrate. hop, tiens, il me reste nickel ça. Voilà. Il me reste 12 jours, ça va. Yeah. I forgot I am in the... in the summer. Ok, du coup, on a l'étoile, donc ça c'est bien. L'autre top hat, je vais le garder au cas où si j'arrive pas à avoir de... Comment dire, de béret, je vais en crafter un autre, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut déjà? Je sais plus. 4 planches et 4 lapins. That you are so focused you don't realize it's a monster and you just turn the light fire around out of panic. No, I am don't panic. Yeah, because I am so I mean, you know what I make because I think you have same problem. When you play on DST, you are so in the game. Do you have buy a new game in the sale of the Steam, Terry? Ok. Bien pour l'instant. I do, but I am lucky that since it's DST, I have somewhere you panic with me. And we usually end up to turn all the fire right and wrong one. But, Ferry, what's the name of the friend with you play? It's Barney? Kate? I want the name, please. No. I have burnt anything. Ah, I have buy some games. Dragon Ball, the last one. I have buy Cardcraft. The card game. And other game, but I don't remember the name. Fall Guys, also. Her name is Caliwine. Okay. It's a family offering, no? But yeah, I have buy some game. Some cool guys. Cool game, sorry. Ok, bon, on va aller chercher des lapins. Il fallait 4 planches, hein, c'est ça, je crois. Ouais.
Bah remarque, la pince ça va être juste au-dessous. Je remarque si, si il fera nuit. Hop, je vais raser les buffalo. Admit her after your 7 was done, so you know not her. Ok. Ok. Ouais, il y a quelques trous ici. Ok. Enfin, le problème, c'est que les... Les grenouilles qui vont me faire chier là. Ouais, il y a un nid d'araignée ici. J'avais pas vu. Ah, mais il y a encore des bifalos ici. Ah ouais. Ah merde, j'ai oublié un des pièges. Ouais, y a pas trop de trous à... Ouais, bah au pire, on va faire ça. Hein. Si j'attrape des grenouilles, bah c'est pas grave. Je vais aller chercher. J'ai oublié l'autre piège, merde. I think I am still not able to do its killing butterfly because without the whip. That's a skill I need to learn. I just make force attack, but yeah, you you need to stay near so close of the butterfly for kill him. You see? Because yes, sometimes the butterfly run, so you just need to follow and stay so close to kill him. That's not really hard. Ah, si je le mange comme ça, ouais. Forcément, c'est moins bien. Ah oui, il y a un piège là. C'est juste ce que je me disais. Ah yeah, you play only WiG on the DST Ferry, or you play other character? Contre les tentacules qui. Tentacule qui tue pas les grenouilles, ça c'est. Ouais, ça me surprend. Mais bon. C'est pas non plus. Quelque chose de négatif. Just Wig! Ah, Ferry. You need to play Wes or Maxwell, Ferry. And if you make that, for me, you will the best. It's okay. Max is burned at the he knows how to play it. Very. Yeah, that's right. I think he loves Maxwell and the Woody. No?
au final, il n'y en a pas tant que ça. Je crois que j'ai déjà tous rasé. Ok. Bon là, en fin de compte, ce qu'on fait en été, comme je vous disais tout à l'heure, on essaye de s'occuper, hein, de faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Parce que, comme je vous le disais, le seul truc qui va être intéressant, c'est la Dragonfly. Ah merde, pourquoi ils sont pas tendus? Ok. Vous voyez, le Luxury Fan, hein, ça met énormément de temps à... Enfin, le pourcentage met beaucoup de temps à comment dire, à descendre. Merde, j'ai pas tendu cela. Ah, merde. Ça se fait. Moi, je les ai pas eus. Moi, ouais, j'ai loupé la moitié, quoi. Merde, je voulais pas ramasser la fleur. Ok, two rabbits. Je peux pas lui donner à bouffer à lui. Il veut quoi, des carottes? Oh putain, il m'en faut deux rapidement là. Remarque, faut que je fasse gaffe parce que là j'ai rien qui protège les feux. Ah, ça peut brûler ça. Je suis con. Ça me dit pas. J'avais pas fait gaffe, les turfs ils ont cramé en fait. Ça là en attendant. Ah merde. Il me faut d'autres lapins là. Deux autres s'il vous plaît. Ah, il y en a un. Ok. Nickel, c'est bon. À la limite, avec les pièges, je sais ce que je vais faire. Là, faut que je change de lanterne. La mienne commence à être morte.
Ah, je peux pas le mettre sur ce tapis-là? Merde. Ok. On va mettre plutôt ça par là, remarque. Non, je peux pas le faire là, mais je peux le faire là. Ok, on a fait le Presti Additator. Après, le problème c'est que. Je pourrais pas faire le Shadow parce que je pense que j'ai ni gemme. Ah, remarque si des gemmes j'en ai. J'ai pas de Living Log. Hein. Il me semble pas avoir tué de Trigarn. Non. Ouais, je pourrais faire la gemme violette limite, mais sinon. Je pourrais pas faire autre chose. Limite, j'irais peut-être bien dans les caves. Au moins. Je peux aller dans les caves au moins pour trouver l'entrée des ruines. Ça peut être sympa. Ce qu'il faudra juste que je fasse, c'est m'emmener de la bouffe. Ce sera pas mal. Mais ouais, Shadow Manipulator. Remarque, je crois qu'en plus le Seaworthy. Non, j'ai pas assez de bois, je pense, pour le faire. Ok, du coup... Ouais, dans le Seaworthy, je crois que tu peux le crafter... le Skyworthy, pardon. Et même le Seaworthy, d'ailleurs. Je crois qu'on peut le crafter... Ouais, qu'avec le Shadow. Ah, là, les chiens. Là, les chiens, là, les chiens. Bon, j'ai mes pièges, mais j'en ai pas beaucoup non plus. Faudrait que je me fasse un autre feu de thermique ici, ouais. Bon après c'est pas très loin du camp, c'est pas très très grave. Hello, les chiens. Ah. Enfin vous arrivez. Il n'y a pas beaucoup de pièges, messieurs, alors il va falloir vous serrer. Voilà, on va récupérer tout ça. On va reset les pièges. C'est pas un gros piège, hein, mais vous voyez, ça aide quand même. Il va évoluer au fil du temps. Ça, c'est sûr. Mais ça dépanne bien. Ça dépanne très très bien, ce genre de choses. Ah, une gemme rouge. On en avait déjà une, mais ça pourra toujours servir. Je regarde combien de temps il me reste, je m'en rappelle plus.
moi j'ai de la bouffe, hein. J'en manque pas. Donc pourquoi je garde la cendre? Parce que les cendres, je sais plus si vous vous souvenez, c'est assez pratique pour faire des baumes de soins. Donc c'est pour ça, faut pas hésiter à les récupérer, ça vous évite du coup de faire des cendres plus tard. Voilà. Voilà. Alors, j'ai récupéré une Twix dans le coin. Et on marque, il va falloir que j'aille récupérer des Libelmes. J'aurais dû faire aussi plusieurs cases de mineurs, ça aurait été bien. Du coup, ok. On de la bouffe, ça j'en manque pas. On s'en fout de la glace. Ok. Bah, on est plutôt bien, ça va. Ouais, je vais refaire d'autres bouffes quand même. Tiens, hop. Il nous reste 9 jours, ça va. Chester il crame? Ah, je savais pas. Alors, Marc, je suis con, oui, j'aurais pu refaire. Comment dire, le jambon au miel. Je cherchais le nom, pardon. On va chercher des libels parce que c'est vrai que, en fin de compte, là, ce que j'ai ici, les 4 lanternes, bah, elles sont épuisées. Donc, au final, après, je vais me retrouver sans libels, on va dire. Ce qui est un peu embêtant. Ah, elle a chaud. T'en as toi du caca? On va se refroidir un peu. Et on va aller dans les caves, on va essayer de trouver l'entrée des ruines, ça nous fera avancer, ça nous fera un certain gain de temps, comment dire, pour... Ah oui, ça commence à pourrir d'ailleurs. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est tuer un autre Tollbird. Ouais, je vais tuer un autre Tollbird et je vais foutre la viande. Je vais foutre la viande dans le frigo. Comme ça, je ferai la Humbat au dernier moment. Je pourrais même prendre les casses si besoin. Mais non, normalement ça devrait le faire. Ok. Fait bien noir. Bon, limite, je suis assez frais là. Tac. Je sais plus quand est-ce qu'il arrive l'autre. On verra bien. Donc, justement, comme j'expliquais, hein, les deux feux d'eau thermiques qui sont là, c'est justement pour la Dragonfly. Hein. Ok, l'entrée elle est là-bas. Salut le merde! T'es bien dégueu.
Je te dis salut et tu me tapes. Je vais te foutre des baffes. Ok. Pourquoi elle a dit cette phrase, j'ai pas compris. Pourquoi j'ai une... What? C'est normal ça? J'avais pas de briquet sur moi? Ouais, j'ai pas compris là. Pourquoi il y a de la cendre là? Ouais, bon, c'est pas grave. Je sais pas ce qu'il y a pour... Il y a un truc qui a brûlé, mais je sais pas ce que c'est. Creepy sound. Ah. You don't like the cave, Ferry. Ah bah tiens, d'ailleurs. Oui, si, il faudrait que je tue un verre. Ah, cool, les tentacules, ils attaquent ces machins-là. Bah allez-y, hein. Ça fait du temps. You don't like the worms. Oh, the worms destroy the tentacles. I am not big fan too, but it's not hard for me to kill him. I mean on the DS. Maybe it's much hard on the... Ah, ok. The tentacle with rock lobster. Combien il faut déjà pour faire le... Attendez. Ah ok, il faudra deux taupes. Bon, ça c'est pas un problème. Oh, il est chaud. Yeah, rock lobster too. But I don't will put the rock lobster in my base. Because that's will a lot and the rock lobster will eat everything. The spider. No minus. Really? You like rock lobster? It's a cut for you? Very. But do you like the bunny man?
Perry. The bunny man is cut, no? The bunny man. You know the bunny in the cave. You know the bunny white. He tried to kill you when you have meat on you. Yeah, bunny man. Sorry, my English is still great. Par contre, il va falloir que je trouve des taupes. Ça, c'est plus compliqué. But the bunny man is cut, Perry. That's what I want to know by the fairy. Now your English is perfect. No, it's okay. No, it's my fault. I am a stupid little Frenchy, don't speak English very well. Ah merde, les jerky, putain. On va laisser ça là pour éviter que ça pourrisse. Ok. I like them. I always put them around the cave exit, so they kill all the bad. Yeah, that's really good idea. To make that. Ah oui, j'ai dit que je devais tuer un Tolbert. Ah ouais, alors avance, je vais peut-être faire ça. Voilà. Alors, moi, j'ai quelques trucs à faire, mine de rien. Comment mes feux là? Ouais. Moi, je les remplisse un peu quand même. On rasera à nouveau les buffalo plus tard. J'avais mal rasé des buffalo tout à l'heure. Ouais, par contre, c'est. J'ai l'impression que le briquet là que j'ai en premier emplacement. Oula. Oh, maison de cochon. Putain, à chaque fois, je me fais avoir. J'ai point. You're good for something beside burning hole, ouais. Ah, c'est quand je suis près d'un arme qui a dit ça, ok. Putain, elle est complètement folle cette vidéo. Ok. Ouais.
Je sais plus quand est-ce qu'arrive la Dragonfly. Elle arrive fin de l'été, mais j'y moins combien. Je ne sais plus. Dans tous les cas, hop. Bienvenue le Tollbird, je pense, depuis le temps. Ah non. Ah bah si, il est là. Ok, nickel. On met ça dans le frigo. Ah, il me faut un marteau pour les taupes. Alors les taupes... ouais, faut que je récupère deux taupes. Ça devrait le faire. Parce que je vais faire en fait le casque... enfin, je sais plus comment on l'appelle en anglais, je me rappelle plus. Attendez. Ah oui, Moogles. The Moogles. Et c'est vrai que ce comment dire... ce chapeau-là est très 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 pratique pour explorer. Parce que vous avez une vision infrarouge sur tout votre écran, donc ça prévient du danger, c'est vraiment pas mal. Et ça permet de gagner du temps pour l'exploration aussi. Faut pas se mentir. Donc ça, on va pas le mettre à fertiliser du coup. Ok, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Tuk 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 tuk. Ah, faut que j'y... un petit coup... ok... ah oui, est-ce que j'ai un marteau? Ouais. Oh putain, il est quasiment fini celui-là. J'en ai pas d'autre? Merde. Ouais, il faut que je m'en fasse un autre là. Parce que 9%... il est quasiment foutu. Pourquoi je prends un marteau? Parce que c'est comme ça que je vais pouvoir récupérer vraiment les taupes. Là, le but, c'est pas de tuer la taupe, c'est de la récupérer. Pour se faire justement... ceci. Vous voyez, deux taupes. Bah ça, je pourrais le faire tout à l'heure. Électrique, Doudal et Globerry. D'ailleurs, ouais, j'ai du caillou. C'est bon. Donc on va essayer de trouver des taupes, justement. Ouais, je pense qu'il y en a par là. En général, ils sont dans le biome Birchnot. On va aller voir ça. C'est vrai que j'aurais pu utiliser cette entrée là. C'est que j'ai pas dû la trouver tout de suite en fait, cette entrée. Donc on a notre Globerry de toute façon qui est dans le frigo. C'est ça qui va nous servir à faire les Muggles. Donc c'est, oui, c'est un casque, on peut dire un espèce de casque de mineur. Hein. Mais celui-là je vous recommande de le faire parce que vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, il est vraiment bien pour explorer, les caves et les ruines. Enfin, surtout les... les caves en premier lieu, mais après les ruines aussi, ouais. Surtout les ruines au final. Je vous dis n'importe quoi. Il me semble qu'on est... ah non, c'est peut-être pas là-dedans. C'est peut-être plus ici, je pense. Ouais. Ça se trouve, j'en trouvais moins là-dedans. Je me souviens plus dans quel biome ils apparaissent. Je le fais tellement rarement, ces putains de taupes. Après, il me semble qu'il y en a quelques-uns. Mais bon. Blue Mushroom, ah, pas mal. Ouais, c'est un arbre qui crame. Bah si, là, je vois des taupes. Il y en a même 3. Peut-être se réveiller au crépuscule, à voir. Je vois s'il y en a d'autres ailleurs.
Bon, en tout cas, les trous qu'on a vus, c'est des trous de taupe. Hein. Ah, green mushroom. Ah, cool, il va y avoir des champis verts par ici. Ok, blue. Ouais, le rouge, je m'en fous un peu. On a chaud, Luxury Fan. Et voilà, on passe à 16 degrés. C'est bon ça. Ça, voilà, on peut se déplacer, on peut aller plus loin. Quand même assez pratique. Quand vous combinez ça, justement, en été, le Luxury Fan et l'Umbrella. Vous voyez, je l'ai utilisé plusieurs fois, le Luxury Fan. Je suis encore à 80%, je suis large. Je suis large, je suis large. Voilà, donc, hop, comme d'habitude, les champignons verts au crépuscule. Il y en avait d'autres par là, je crois, ouais. Je pense que c'est indispensable quand vous jouez à Willow, en fait, clairement. Tout ce qui est champignons bleus et champignons verts, pour gérer un petit peu tout ce qui... C'est pas... Ah non, c'est un bleu ici? Ah oui. Donc le bleu, c'est que la nuit. Ah merde, j'ai rien pour l'attirer, le... Ah putain. J'ai rien pour attirer les taupes. Ils sont pas sortis. Ah non. Ils sortent pas. Ah non, ça c'est Red Mushroom. Ah bah c'est peut-être pas... son... Ouais, pourtant il y en a... Ah si. J'en entends quelques-uns. Ouais, j'ai pas de cailloux là, merde. Pas des cailloux dans le coin, non. Il est sorti, mais... non, il faut quelque chose pour l'attirer. Aïe. Ouais, je crois qu'ils prennent que les cailloux, hein. Tu veux pas de mon marteau, la taupe? Non. Dans son trou. Ah, quel con, j'ai oublié de prendre des cailloux. C'est vrai que oui, ils sont attirés que par les cailloux, ces cons-là. Si ça se trouve, ouais, j'en ai par là, des taupes aussi. J'y ai pas pensé. Ah, je savais qu'il y en avait dans le biome Birchnut, mais c'est vrai que... dans le biome Mosaïque, je pense pas... Wow! Petite pleure plante, là. Ah bah tiens, ça, ça fera l'affaire. Des silex. Ouais, remarque... Ouais, je sais plus, on va prendre le tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des blue mushrooms ici. Ah mais merde, en pleine lune, il aurait fallu que j'aille là-bas. Ouais, mais bon. Je vais éviter en été. Pourquoi? Parce que tout pourrait cramer. Donc c'est vrai qu'à la pleine lune, je vais éviter de... d'aller là-bas. Tout ce qui est potentiellement, pardon, excusez-moi, intéressant, faut essayer de le conserver, hein, et de pas aller
à tel endroit au moment de l'été. Je pense pas qu'il y a de taupe ici. Hein. Non. J'ai pas l'impression. C'est peut-être plus en bas là, on va voir. À la limite. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des fleurs? Ah, il restait du turf. Ah, bah j'ai pas tout récupéré, j'ai dû oublier. Ouais, bah non, j'ai pas l'impression qu'il y a du tout par ici. Ou alors, comme d'hab, elles sont dans un coin précis. Voilà. Ok, bon, on va retourner là-bas de toute façon. J-6. Bon, elle devrait plus tarder la Dragonfly, je pense. Je sais plus, putain, à chaque fois je sais jamais quand est-ce qu'elle arrive. Chaque fois, comme je dis, c'est fin de l'été, mais. Je me rappelle jamais à J-moins combien quoi, c'est fou ça. J'ai pas une mémoire de ouf. Hein. Et après à l'automne, de toute façon, on fera le burger. Ok. Tiens, bah Romain, je vais préparer. J'ai préparé ce qu'il faut là pour le casque. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Deux. Okay. Voilà, ah si, j'avais un cut stone. Ah bah tiens, attends, je vais me rafraîchir un coup. Putain, Gloomer, peut-être falloir faire quelque chose, hein. Oh merde, je me suis bourré de feu. On va se refroidir un petit peu, puis on va y retourner. Je pense qu'après, la Dragonfly ne devrait plus tarder. Voilà, on est bien refroidi. C'est vrai que bon, l'été, on pourrait se dire comme DST, bah, on va passer tout l'été dans les caves, mais le problème, c'est que dans les caves, vous avez chaud aussi sur DS. Et voilà. Alors que sur DST, en général, on passe, on passe l'été soit dans les caves, soit au niveau de l'oasis. Mais ici, on n'a pas d'oasis, quoi.
vous tapez la taupe avec un marteau, et voilà. Faut juste la tirer avec tout ce qui est caillou ou silex. Voilà, on tape, et c'est bon. On a les deux. Donc ça, je m'en fous du silex, et on peut retourner au camp. Pas compliqué. Vous la tirez avec du caillou, ou avec du silex, et hop, problème résolu. Non, champi bleu, bon c'est pas grave. Donc on va pouvoir faire ce casque là justement. Alors je vais surtout l'utiliser pendant l'automne, puisque c'est pas rentable de l'utiliser maintenant, puisque si j'utilise maintenant dans les caves ou les ruines, bah je vais avoir chaud quoi. Ok, tiens, on va manger un morceau. On va récupérer du coup ceci, vous savez le Glowberry dont on avait parlé. Hop. Et voilà. Donc ça justement, vous pouvez le recharger qu'avec des Glowberry. Donc ça j'utiliserai hein. Pas de soucis là-dessus. Ok, hop. Et je vais peut-être raser à nouveau les buffalo, de toute façon j'ai que ça à faire. Ouais, les deux viandes sont toujours là, c'est bon. Ça se trouve, il arrive dans 2 jours, ce con. Le sac de Birger, enfin le skin en tout cas. Ça me fait rire avec la bulle. Bon, ça lui fait remonter un peu la santé mentale à Willow quand vous restez près d'un feu. Que ce soit endothermique ou fire pit, c'est ça qui est bien. Ok. De ce côté-là, tout est ok.
les buffalo justement. Ah, bah il arrive. Bon, bah les buffalo, ce sera pour plus tard. Donc il y a la Dragonfly qui arrive. On va récupérer justement. J'ai bien fait de me préparer d'ailleurs. C'est parti. Voilà, donc je vais allumer les deux feux. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais bloquer la Dragonfly entre les deux feux, justement. Donc là, j'espère qu'elle va pop sur moi. Enfin, de toute façon, elle va pop sur moi. C'est juste qu'il faut que je l'attire après sur... je l'attire, pardon, vers le feu en question. Donc là, normalement, elle va spawn et bah, elle va être un peu partout, je pense. Enfin, elle va se balader, en fait. Il faudra juste que je la tape un coup. Et il faut que je l'emmène bah, vers les feux en question. Là, bah, elle est juste là en plus. Parfait. Voilà. Ah, est-ce qu'elle se bloque? Voilà, nickel. Voilà. Vous la bloquez comme ça en fait. Et vous voyez, là, elle peut rien faire. Donc vous avez juste ensuite à la taper. Alors il y a une espèce de. Comment dire de. Voilà. Vous la tapez deux fois. Vous attendez qu'elle fasse ça. Hop, vous allez vers elle. Et hop, vous décalez. Voilà. Pareil, même principe. Hop, voilà. Donc elle est en rage, hein, c'est normal. Voilà, vous décalez encore. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur la route. Donc on n'a pas besoin de prendre la canne. Ah non, j'ai tapé trois coups. Mauvaise idée. Donc deux coups, c'est la limite. Hein. Voilà. Donc vous continuez comme ça, jusqu'à temps qu'elle crève. Et de toute façon, on va pas manquer de lumière puisque. Hop. Voilà. J'ai mis les. Normalement, les feux vont durer assez longtemps. On verra bien. Putain, cramouillon. Petite faute. Voilà. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Faut juste suivre la cadence. Et voilà. Voilà comment tuer la Dragonfly. Do you have a map to prevent her to destroy the fire? Ah, no, Ferry. No, no. There is no map for that. It's basic of the game. She can't destroy the fire, the endothermic fire pit. It's basically in the game. It's not the mod. Donc voilà. Voilà comment faire. Et en plus, en fin de compte, quand vous utilisez les endothermic fire, comme on a fait des va-et-vient, en fin de compte, on n'a pas la sensation de chaleur. C'est ça qui est bien. Ah, no. It's only on the DS, Ferry. I don't know for the DST. Maybe on the DST, she can destroy the endothermic fire pit. I don't know. This solution... I make it only on DS. I think on DST it's a little more easy because Dragonfly doesn't spawn on you. Ok, bon bah voilà, on a fait la Dragonfly, on est tranquille, on est bien. Donc voilà, cette peau-là va nous permettre en fait de faire un coffre qui ne brûle pas. Je sais pas si je peux le faire par contre. Je peux le faire. Ouais, 4 planches. J'ai peut-être pas assez de bois.
Non, j'aurais pas assez de bois, je pense. Oh, c'est pas grave. On le fera plus tard, quand l'été sera terminé. Yes, yes, on DST, yes. But I mean, on the DST, it's easy to kill the dragonfly. I mean, you have... you just need to make the wall. For, you know, the protect from the... For the chindrel of the dragonfly, and... and you need a pan flute. Because she going... when she going fury. I mean crazy. You need to... to sleep the dragonfly. But I mean, I think you know that because you are a poor fairy. Okay. Bon, ça c'est en train de pourrir. Bon, elle a pas beaucoup de santé mentale. Ah oui, tiens. D'ailleurs, je voulais aller raser les buffalo aussi. Là, il nous reste 4 jours, ça va le faire. Voilà. On va prendre ça, on va raser les buffalo à nouveau. Je vais aller récupérer un petit peu de... Il me reste des champignons verts, là? Ah bah oui. C'est que là les jerky ils sont plus très efficaces mais bon c'est pas grave. Yeah I know that I am just getting annoyed by the small lava who destroy the wall and make everything hard. The small lava destroy wall? You sure? Ferry, we need to play DST again, please. No, it's okay. Ok, on va aller chercher de la laine, parce que j'en ai quasiment plus. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un bon combustible. Donc on est à la fin de l'été. C'est très bien. C'est parfait. On a toujours hâte un petit peu, si vous voulez, que l'été se termine. C'est vrai que l'été, c'est pas une saison très agréable, puisqu'on est un peu limité au niveau de ses activités. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas la meilleure des saisons pour faire ce que vous voulez. Ça, c'est sûr. Après, il y a toujours, voilà, il y a toujours pas mal de trucs qui est possible, mais ça reste quand même très très limité. Oh putain, merde, ils sont en route. Alors ça, oui, c'est problématique. Je m'attendais pas à ce qu'il soit en route, c'est quoi là. Bon bah c'est bien, ils vont me débarrasser des grenouilles. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a un buffalo qui crame. Ouais, tu peux toujours essayer de m'avoir. Hop, on va récupérer ça. Donc je ne peux pas malheureusement faire ce qu'il faut pour les buffalo. Thank you.
essayer de récupérer les cuisses, mais à mon avis, le buffalo va se réveiller. Ah non, même pas. Si, il y en a qui s'est réveillé. Ouais, je peux quand même chercher un petit peu les... l'entrée de la cave au pire. Sur les jours qui me restent, je vais regarder un petit peu les caves, on va voir. Donc moi vous avez vu comment tuer la Dragonfly, bon, je l'avais déjà fait avec Wilson, WX et c'est tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors là, le but c'est juste de trouver, enfin de gagner du temps, de trouver l'entrée des ruines. Ce qui va être intéressant, c'est pas vraiment les caves. Les caves, en fait, ce que vous avez juste à trouver dans les caves, ce qui va vous aider, c'est en fait la zone de Lightbulb que j'ai trouvée, c'est-à-dire les tentacules. Donc je les ai trouvés dès le début, ça j'ai de la chance là-dessus. Par contre, après dans les caves, il n'y a rien d'autre vraiment d'intéressant, pas de mon point de vue. L'accès aux ruines est primordial. Pourquoi? Parce que. Vraiment, vous avez un boss qui se trouve en bas, donc l'ancien gardien, qu'on va buter bien sûr avec Willow. Et il y a aussi une machine qui s'appelle l'ancien Altar. Donc il y en a deux. Il y a la version cassée et la version entière. Donc ce qui nous intéresse, c'est celle qui est entière. Pourquoi? Parce qu'avec la version cassée, on peut faire moins de d'armes de Tulicite. Donc voilà, c'est... Enfin vraiment, les armes en Tulicite, c'est juste ce qu'il y a de plus génial quoi dans le jeu. C'est en général des armures, des armes très 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 fortes. Donc faut pas hésiter quoi. Faut pas hésiter à y aller. Bon, j'ai pas beaucoup de bouffe. C'est pas très grave. Le but là c'est d'explorer. Et si on a chaud, de toute façon, on a toujours le Luxury Fan, vous voyez, hein. C'est toujours très pratique hein, au final. Hein. Donc là, c'est pareil, en fait, pour trouver l'entrée des ruines, c'est une entrée qui est similaire, vous savez, à l'entrée de cave qu'on vient de prendre, mais qui est voilà, en tulicite, c'est-à-dire en jaune pétant, quoi. Alors, malheureusement, dans les caves, c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu chiant à visiter. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est bourré de cul-de-sac. Voilà, vous allez revenir en arrière, vous allez aller par là. Voilà, c'est... C'est pas évident. Après, ça peut être toujours intéressant, oui, de visiter toutes les caves, mais c'est vraiment pas la priorité. Ne vous, voilà, n'ayez pas un focus vraiment énorme là-dessus. Alors, pourquoi j'utilise pas ma canne? Parce que là, il fait toujours chaud, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir que, voilà,
dans les caves et les ruines, comme je le disais, bah, vous pouvez quand même avoir chaud, quoi. Ce qui est un peu bizarre, mais bon. Par contre, il doit y avoir un bug. Pourquoi je récupère un briquet à chaque fois que je passe les caves? Enfin, j'ai aucun mode qui me permet ça. Ça, c'est bizarre. Je sais pas si c'est voulu. Peut-être que c'est dans le jeu, parce que j'ai... Ouais, c'est très bizarre comme truc. Bon là, même principe hein, pour l'exploration. On explore vraiment au niveau des bords pour délimiter les biomes. Et bah, si jamais on trouve pas en fin de compte l'entrée des ruines, ça nous permet d'aller dans des endroits précis pour finir de visiter la map. Voilà. Donc là, c'est tout à fait possible que... Bon, c'est pas forcément le cas, mais... C'est tout à fait possible que la porte soit ici, sans que je m'en aperçoive. Voilà, c'est fort possible. J'ai remarqué que c'est plutôt... Enfin, je sais pas si c'est aléatoire au niveau de la porte. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois de la trouver vraiment à côté d'araignées bien blindées. Alors je sais plus dans quel biome exactement. Mais ouais, ça... En général, elle est dans une zone un petit peu dangereuse quand même. Bon, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille récupérer des light bulbs, moi. Parce que je vais en manquer. J'aurais dû faire ça dès le début, ouais, faire le plein. Bah, limite, je vais remonter après sur le côté. Ça me ferait gagner du temps. Je vais essayer de bouffer mes bacon and eggs quand ils sont ouverts. Après, si je trouve pas l'entrée tout de suite, c'est pas grave. Au moins, j'aurais visité une bonne partie des caves. Quand je dis une bonne partie, bon, c'est pas tout, mais au moins, ça m'aura, enfin, ça m'aidera à avancer l'exploration, quoi. Pour essayer de trouver justement l'entrée des ruines. Parce que là, en automne, clairement, c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller dans les ruines et on va essayer de trouver le labyrinthe, l'ancien gardien, les machines dont je vous ai parlé. Vous savez. L'ancien altar qui permet de crafter des objets en tuilicite. Enfin, vous verrez tout ça, hein, vous inquiétez pas, hein, de toute façon. Que ce soit en VOD ou en live. Donc oui, comme je vous disais, en fin de compte, la zone vraiment où vous avez plein de light bulbs, bah, c'est ici, dans les marais. Parce que oui, il y a un marais, clairement, dans les caves. Et comme vous pouvez le voir, c'est un marais très gourmand. Voilà, donc on va essayer de récupérer un bon stack de light bulb. Vous pouvez même en récupérer 40, pourquoi? Parce que si vous êtes des gens qui sont adeptes, il y en a, hein, ils aiment beaucoup faire des fermes. Il faut savoir que les light bulbs sont un bon moyen d'avoir de la pourriture assez rapidement, parce que c'est quelque chose qui pourrit très très vite. Donc si vous voulez de la pourriture, n'hésitez pas à en récupérer un bon paquet. Il y a eu de la guerre ici. Hein. Il y a même des taupes. Comme quoi. Alors, je l'ai jamais montré, je l'ai jamais utilisé, mais c'est vrai que ça peut être pratique. Vous pouvez utiliser en fin de compte cette grosse tentacule comme un wormhole, c'est-à-dire que vous pouvez sauter dedans. Ah, pas dans celui-là, remarque. Ah, donc c'est plus sur DST, pas sur DS. Bon, tant pour moi. Ah, non. Pour la toper. Ok. Eh bah écoutez, on va continuer à explorer dans ce coin-là.
ce sont les araignées. Donc là, ça sent le cul-de-sac, hein, je vous le dis, voilà. Clairement, quand vous avez un long chemin comme ça, ça sent le cul-de-sac, mais malheureusement, bon, faut regarder, faut vérifier, quoi. Faut pas hésiter. Bon, là, la santé mentale de Willow, clairement, elle sera en berne. Mais bon, si elle a le feu au cul, franchement, si elle brûle quelque chose dans les caves, on s'en fout un petit peu. L'intérêt, c'est vraiment quand elle a une santé mentale et que bah, vous êtes dans votre camp. Là, vous savez que ça peut faire très mal. Il nous reste 2 jours, donc ça va. On peut continuer à explorer. Ah, je sais plus sur DS. Birgir, je crois qu'il arrive au début de l'automne. Ou à la fin, je me rappelle plus. Il y a tellement de trucs différents. Enfin, grosso modo, entre DS et DST, que parfois je suis un peu perdu. Et en même temps, c'est vrai que DS. Il faudrait que j'y joue un petit peu plus pour me rappeler en fait. Oh, c'est un 7 pistes ça, non? Ah, il y a une Spider Queen level 3. Ah oui, les Spider Queen spawnent uniquement quand vous êtes à côté d'un nid level 3, hein, qui est là depuis très très longtemps, bien sûr. Green Mushroom. Okay. Ah bah oui, c'est pas le crépuscule, donc ils vont pas apparaître. Donc voilà, vous faites une petite réserve, comme on disait tout à l'heure, de light bulb. Et j'en ai marre de ces... C'est vrai que j'aurais pu utiliser le briquet, mais le problème du briquet de Willow, c'est qu'on voit que dalle, donc... Puis bon, on a plein de light bulbs, autant s'en servir. Donc là, oui, on est dans un gros biome de d'arbres champignons. Il est balèze, hein. Alors après, j'aurais dû emmener plus de bouffe. Parce que c'est vrai que l'exploration dans les caves, ça peut être un petit peu long. Donc n'hésitez pas à vous faire plus que 2 bacon and eggs. Vous en faites 3-4, ou même 3-4 minballs. Parce que forcément, vous allez partir beaucoup plus longtemps, quoi. C'est un petit moment que j'ai pas chaud. Ouais, pourtant, c'est 60 degrés. Hein. Comme quoi... Oula, alors là, c'est des araignées un petit peu plus dangereuses ici. C'est un biome un petit peu plus dangereux, ouais. Attention. Et du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai ma lanterne, j'ai mon armure. N'oubliez pas de mettre votre armure, de pas avoir votre sac sur vous. Et j'ai un umbrella, puisque les caves restent quand même très dangereuses. Par exemple, là, ce qu'on a là, l'espèce de fissure, vous avez des monstres... maléfiques qui peuvent sortir, voilà, il y en a un, exemple. Et lui, en fin de compte, il fait pas de différence. Si vous, même si vous avez la santé qui est très très haute, santé mentale, pardon, il vous attaque quand même. Il en a rien à foutre. Ah, donc on a un petit peu chaud, hop. Luxury fan. Voilà, il revient à 15 degrés, vous voyez. On est encore à 73%, et on est à la fin de l'été. Voilà. Franchement, et en plus j'aurais pu en faire une deuxième, parce qu'il me restait encore des plumes de la gousse, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très bénéfique, le Luxury Fan. En combinaison, comme je disais, avec l'œil Brella. Puisque l'œil Brella, en fin de compte, on peut se dire comme ça que ça sert à rien, mais en fait ça vous ralentit, enfin ça ralentit en fin de compte le fait que le perso échoue. Voilà. C'est juste un ralentissement par contre. Voilà, donc Willow commence à justement à cramer. Elle fait au cul, comme on peut dire ça comme ça. Je dis ça, c'est pas vraiment le cas. Comme je disais, on s'en fout, puisqu'on n'est pas à la base. Par contre, c'est vrai que si je rentre à la base, il faudra que je récupère quand même quelques champignons. Histoire de remonter sa santé mentale, pardon. Ah, ça pourrait être par ici, en fait. La dernière fois que j'avais l'entrée des ruines, c'était dans ce secteur. C'est-à-dire il y avait plein d'araignées. Alors par contre, c'était peut-être pas ces araignées-là. Parce que là, ces araignées-là, alors elles sont un petit peu plus dangereuses. Hein.
Méfiez-vous de ces araignées-là parce qu'elles vous crachent à la gueule. Elles vous envoient. C'est ceux-là ou les autres? Oui, c'est ceux-là, pardon. Parce qu'il y a deux types d'araignées dans les caves. Enfin, il y a l'araignée basique que vous connaissez déjà, dans les marais. Et il y a cette araignée-là et une autre araignée là avec un truc sur la gueule. Donc l'araignée avec le truc sur la gueule, en fin de compte, lui, il va juste essayer de vous mordre comme l'araignée de base. Par contre, lui, il essaye de vous. En fait, il vous envoie de la merde à la gueule, en fait. Il vous crache dessus. Donc c'est vrai que faut éviter leur nid le plus possible. C'est pour ça que tout à l'heure vous m'avez vu dévier. Hein. Parce que là, clairement, on va pas vite. J'ai pas la canne là. Enfin, j'utilise pas la canne sur le coup. Donc voilà. Alors, je vais regarder un petit peu. Alors, je vais vous montrer, je prends le risque. Hein. Voilà. Vous voyez, elle spawn, donc c'est Splitter. Je crois que. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Ils essayent de me toucher. Bon, ça va, ils sont pas très rapides. Je m'attendais à plus de vitesse. Mais non. On va faire un petit peu le tour, voir. Kill them with fire. It's not a bad idea, Ferry. And do you know how I kill Monkey on the DST? With fire. With the fire staff. Because when you fire the monkey is lost. And that's much easy to kill them. When you use fire staff. Of course, you destroy the house of Monkey, too. Ok. Yeah, because the monkey is lost when he is on fire. Ok. Donc visiblement, l'entrée des ruines n'est pas là. Hello, Wacken anglais. Coucou Elsa. Non, en vrai, mon anglais est un petit peu à chier, Elsa. Je suis désolé. Hein. Je sais pas si tu parles bien anglais. Te m'en veux pas trop. Comment tu vas, Elsa? Je suis désolé, tout à l'heure, je voulais te proposer un petit DST, mais je voulais pas t'embêter. Peut-être que t'étais occupé, mais je te proposerai une autre fois. T'inquiète pas. Vraiment désolé. Hein. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller stream. Et puis, je me suis dit, on se fera ça une autre fois. C'est que je me disais, tiens, vu que je travaillais beaucoup en ce moment et que j'étais pas trop dispo, je me suis dit, tiens, je vais reproposer à Elsa une petite partie. Il est mieux que moi, t'inquiète. Ah, ok. Ça marche. Donc là, tu vois, on est toujours avec la petite Willow qui essaye de sortir de ce merdier. Non, mais non, t'as pas à être désolé, si t'es occupé, y a pas de soucis, t'inquiète pas. Hein. Voilà. J'avais envie de faire du Don't Starve et j'hésitais entre DST et DS. Mais voilà, c'est dès que je peux, j'essaye de proposer en tout cas à ceux qui sont là de faire un petit DST. C'est vrai que je t'ai vu en ligne, dès que je te vois en ligne, bah, en général, j'essaye de te proposer. Malheureusement, ça dépend de mes horaires, quoi. Parfois, je suis disponible que la nuit. Ou... Bah, d'ailleurs, la fois où j'ai joué avec toi, je crois que c'était en pleine nuit, il me semble, donc. C'est vrai. Je suis rarement occupé. C'est pas grave, Elsa. Faut pas t'en vouloir quand même. Dinner time for me. Talk to me next time, Tonio. It's always pleasure to hear your French. Thank you, Ferry. Have a good pizza. No, it's a joke. It's a joke. Have a good dinner, Ferry. Lot of kiss for you. Bye bye, Ferry. And thank you very much. For your coming and your talking. pizza or pasta or something like Italian. Bye, Ferry. Thank you very much. We love you, Ferry. Oh, mais Elsa, t'inquiète pas, on refera un petit. Si ça se trouve, je serai à dispo cette nuit, tard dans la nuit, et puis je te demanderai peut-être, je sais pas. Voilà, dès que je suis là et que j'ai du temps libre, bah voilà, je n'hésite pas, pardon, à proposer à ceux qui sont dispo, quoi. Mais c'est vrai que du coup, bah souvent, oui, je suis obligé de jouer avec d'autres personnes, voilà, parce que j'ai des horaires compliqués, hein, c'est lié à mon boulot, hein, et puis même ma façon de dormir forcément n'est pas la même, quoi. Vu que je bosse en 3-8.
Et je bosse, bah tu vois, hier je bossais quoi. Hier je bossais de nuit. Le 31. Donc forcément. Bah j'ai fait 5 nuits d'affilée, donc je t'avoue, j'étais un peu KO. Il reste un jour avant le démarrage de l'automne, on va dire. Bon, ça c'est sûrement un cul-de-sac. Ah, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, les cul-de-sac, et ils sont longs. Hein. Mine de rien, on avance bien dans l'exploration. Bon, c'est pas non plus le top du top, mais on n'est pas trop mal. Alors, si c'est pas un cul-de-sac, ça va être. Oui, je suis sans emploi, un peu insomniaque. Et en bonne résolution, c'est d'essayer de me donner. Ah bah oui, bien sûr, bah oui, tout à fait. Oui. Mais ouais, c'est. Dès que j'ai du temps libre, bah de toute façon, oui, j'essaie de proposer quoi. C'est pas toujours évident. Ou alors aussi, il y a peut-être la motivation, on va pas se mentir. Mais en tout cas, oui, je suis toujours partant pour un petit DST, ça c'est clair. Ah, t'es aussi un peu décalé, ah ouais. Ah bah ça, oui, c'est. Enfin, si tu peux éviter, évite, mais bon, c'est pas toujours évident quoi. Si en plus tu dors mal et tout ça. Ouais. Ah, d'accord, ok. Des sons particuliers ou. Enfin, quand tu dis son ambiant, tu entends. Qu'est-ce que tu entends par là, Elsa? Et oui, d'ailleurs, je t'ai vu plusieurs fois jouer à DST cette semaine ou la semaine dernière. J'espère que tu t'es bien amusé. Je voulais te rejoindre parfois, mais bon, c'est vrai que j'étais un peu claqué. Je voulais même te proposer, mais malheureusement, je ne peux pas tout le temps. D'accord, ok. Ça marche. Bon, après, moi, ma manière de dormir, c'est assez. Enfin, j'ai pas de soucis pour dormir, c'est que parfois je dors que 2-3 heures et. Parfois, je peux dormir 8 heures d'affilée, quoi. Malheureusement, ça dépend des chiffres que je fais. Si je suis du matin, l'après-midi ou de la nuit. Et puis, bah, forcément, voilà, ça peut être. Quand je disais les 3-8, c'est même les jours fériés. J'aurais pu bosser aujourd'hui, hein. Ou même. Bah, j'ai pas bossé à Noël, donc du coup, ils m'ont fait bosser le jour de l'an. C'est soit l'un ou soit l'autre, de toute façon. Des sons de la vie courante, quoi. Voiture, télé, gens qui parlent. Ah, t'as besoin. Ah, moi, c'est tout le contraire. J'ai besoin de silence. Ah, ouais, du coup, donc toi, si t'as aucun son, tu ne peux pas t'endormir en clair, si je comprends bien. Ah, ouais, moi, c'est tout le contraire. Moi, si, du coup, il y a. Ah, c'est pas que j'entends très très bien. C'est pas que j'entends le moindre bruit. Hein. C'est juste que j'ai besoin vraiment de. Que ce soit calme. C'est pour ça que j'utilise souvent des boules caisses, pour te dire. Voilà. Même si je suis tout seul, bah forcément parfois t'entends le voisinage, voilà, qui fait, enfin qui font un peu de bruit, pas des énormes bruits, hein, mais t'as un Willow qui crame, dis donc, hein. Tu me diras, oui, je suis pas en bonne santé mentale. Un aspirateur qui tourne, ah non mais moi j'ai envie de le tuer l'aspirateur. Punaise. Ah ouais, ça t'empêche pas de dormir. Bah limite c'est. C'est bien, hein, parce que. Mais du coup, t'habites en ville alors, non? Et limite, quelqu'un comme toi qui habite en ville. Parce que moi, du coup, oui, j'habite pas en ville. Enfin, j'aurais pas aimé, du coup, habiter en ville. Tu sais, entendre les voitures ou des choses comme ça. Bon, après, je suis pas complètement en campagne, hein. Je suis en agglomération, mais voilà, je suis pas au cœur de la ville non plus, quoi. Je suis plutôt calme là où je suis. C'est plutôt calme là où je suis, pardon. Mais ouais, non, tu vois, tu. C'est un. Moi, c'est vraiment tout le contraire de ce que tu me dis là, c'est marrant. Ah, par contre, c'est vrai que. Du coup, si c'est trop calme pour toi ou s'il n'y a aucun bruit, ça doit être terrible si t'arrives pas. Enfin, si t'arrives pas à dormir à cause de ça, c'est même pire en fait, non? Enfin, je sais pas. Je me rends pas bien compte, hein. Excuse-moi. Mais c'est intéressant de voir les différentes manières qu'on a de dormir. Enfin, nos exigences, tu vois.
si on peut dire ça comme ça. Putain, pas de chauve-souris. Ah voilà, vous voyez. Bon, heureusement que j'ai mon armure. Voilà. Parce que vous pouvez avoir ce genre de problématique, c'est-à-dire des chauves-souris qui vous coursent. Donc là, vu le nombre qu'ils sont, je vais éviter de me frotter à eux. Voilà. Puis en plus, je suis pas en bonne posture. Je suis dans les caves, il fait noir. J'ai une pauvre lanterne pour m'éclairer. Putain, ils vont flinguer mon armure. Putain, il y en a un, il me lâche pas. Hein. Donc, malheureusement, il va falloir que je remonte parce que j'ai presque plus de bouffe. Ah, il a eu peur du feu. On va s'occuper de lui, il est tout seul. Voilà. Bon après, l'exploration est pas mal. Par contre, c'est quoi ce qu'il y a là? Comment je vais ici? Ah, c'est marrant, le briquet, on le voit sur la map. Il va y avoir quelque chose là, je sais pas. Faudra m'expliquer comment je vais là. Voilà, il y a un passage par là, mais ça me paraît bizarre. Oh, le cul-de-sac de ouf! Oh, j'ai fait tout ce chemin pour que dalle. Ouais, je pense que là, 59 de bouffe, ouais, je vais remonter. Tant pis. On n'a pas encore trouvé l'entrée des ruines, mais bon. Voilà, on a pas mal exploré, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Alors, vu que j'ai que 9 de santé mentale, malheureusement, il va falloir que je passe par la case marais. Parce que sinon, je vais me faire niquer. Alors, je vais voir si je peux pas récupérer de la bouffe sur le chemin, parce que du coup, oui, je suis pas très bien non plus. Allez, je viens de me faire attaquer par une ombre magnifique. Et heureusement que j'avais mon armure, quoi. Enfin, comme je vous le disais, toujours avoir deux armures, quoi. Par contre, je supporte pas les tic-tac. Ah, donc du coup, les horloges. Tout ce qui est horloge et tout ça, ça te casse les oreilles, d'accord. Ouais, donc ça dépend des bruits, en fin de compte. Il y a des bruits, peut-être, qui te favorisent le sommeil, mais d'autres, non. C'est ça. Si j'ai bien compris, Elsa. Ok. Ah, champi vert, cool. Non, merde. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le coin? Un champi vert, ça me suffira pas. De toute façon, il doit y avoir des champignons bleus, je crois, dans les marais. Il me semble. Donc on pourra même utiliser les champignons bleus si on veut. C'est pas un souci. Et puis remarque, la pleine lune ne va peut-être pas tarder. Je sais pas. Où sont les champignons bleus? Putain, je vois vraiment que dalle. Donc là, la nuit, de toute façon, ouais, c'est champi bleu normalement. Il me semble qu'ils étaient par là, non? Je vais vérifier. Avec la santé mentale, on voit encore moins quoi. Ah, voilà. Ça va bien. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des merdes par ici. Okay. Ah merde, ça va brûler le champi bleu. Bon, tant pis.
Ah, ah merde. J'en avais deux juste là, quoi. Ouais, je sais pas si ça va suffire, hein. On verra bien. Remarque, je me fais chier pour rien parce que... Ah non, mais... Ouais, mais fait en deux thermiques. Non, non, il doit être foutu. Il doit être à ville, là. Sinon, au pire, je vais ramasser des fleurs. Hein. C'est pas très grave. Ah bah les fleurs autour là ils ont cramé. Ouais, je pense pas que ça va me ramener à 60 ça. Ouais non, 36. Tiens, hop, on va se nourrir de ça. En attendant. Il y a pas mal de fleurs partout. Papillon, comme je vous le disais. Hein. Excellente. Excellente bouffe. Puis je pense qu'au crépuscule, je vais retourner dans les marais. Parce que là. Ah non, mais feu endothermique, c'est bon, ils sont toujours. Ah, mais j'ai plus de. Enfin, je veux dire, mes feux endothermiques sont allumés, mais bon. Ça sert à rien que je reste dans la base s'il n'y a pas ce qu'il faut, quoi. Ah, ça va peut-être tout brûler. Ah non, même pas. Pas beaucoup de papillons qui spawnent, non ? Pas sûr. Marc, c'est vrai que j'aurais pu faire un fire pit plutôt dans les marais. C'est vrai que. Ouais, il faudrait que je fasse ça plutôt. Vous allez voir, avec 6 papillons, mon estomac va se remplir un petit peu plus vite. C'est juste, je vais attendre le prochain crépuscule pour avoir plus de champignons. Ça. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu pêcher, mais bon. Mais ouais, la petite Willow, ouais. Quand elle est vraiment basse en sanity, c'est chiant, hein. Et ça a bien remonté l'estomac. Hein. Et encore, ça remonte la vie aussi. Hein. Allez, on va aller chercher justement les champignons. Il est presque le crépuscule. Que je me ferais plutôt un fire pit ici en fait. C'est vrai que ouais, je me suis peut-être un peu chié.
Bon, le crépuscule est vachement, vachement court. Ah putain, voilà les chiens maintenant. Il n'y a plus que ça. Chien de feu, ouais. Et heureusement que j'ai fait ma zone de piège. Hein. Récupérer la sonde en priorité. Bon, normalement ça devrait suffire pour lui remonter sa santé mentale. Voilà, parfait. C'est bon.